répondant aux standards internationaux à notre chère clientèle. Stream System Store abritera également toutes les nouveautés de Stream System, y compris la nouvelle offre exclusive du financement Paysir. Je passe sans plus tarder la parole au responsable commercial, M. Esprisiani. Monsieur le direct. Je profite de l'occasion de remercier tous les journalistes, et les chers partenaires, les chers collègues qui ont accepté l'invitation. Donc, ce sera notre premier store qu'on vient de démobiliser cette année. On profitera de l'occasion c'est pour lancer le nouveau projet qu'on a lancé cette année donc, dans le cadre du rachat facilité. Voilà, donc c'est de proposer aux clients toute la gamme Stream System. La gamme qui est composée de la gamme TV, donc les LED TV, la gamme Smart TV, la gamme Ultra HD. Et à partir de demain, Inch'Allah, on commencera à proposer aussi pour les consommateurs la gamme smartphone. En l'occurrence, avec le lancement, la nouvelle gamme TV à partir de demain, Inch'Allah. Donc, l'idée du projet est très simple, c'est de mettre le produit Stream System pour le consommateur final dans le cadre d'un achat facilité avec des prix compétitifs. Donc nous invitons tous les journalistes de faire une visite avec une procédure simple. Avec une procédure simple, on profite de la présenter dans un petit moment. Nous allons passer maintenant, s'il vous plaît, à la présentation du responsable commercial, M. Esprisiani. Donc nous allons présenter toute la démarche à suivre concernant le projet acheter un produit Paysir. Et je profite de l'occasion juste de remercier M. Djennadi, le directeur au niveau de Salam Bank, qui est notre partenaire. Donc c'est un produit, donc on va mettre à la disposition du consommateur toute la gamme disponible sur la marque commerciale Stream System. Bon, actuellement, on a deux références qui vont être proposées au client final. Donc, du 32 pouces jusqu'au 70 pouces. Et on aura, Inch'Allah, même des produits 75 pouces et 98 pouces prochainement, Inch'Allah. Et à partir de maintenant, Inch'Allah, on a dit qu'on va recevoir, on lance, Inch'Allah, la gamme de smartphone, qu'elle soit moyenne gamme et haute gamme. Donc, la première étape, c'est une fois un client il se présente au niveau du showroom. C'est la prise en charge du client, donc il sera accueilli par un chargé clientèle. Ce dernier lui donnera toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire comment il va procéder. Maintenant, il va l'orienter à choisir son produit. Une fois qu'il a choisi son produit, donc il va venir, il va se déplacer au niveau du chargé clientèle. C'est pour faire deux tests. Le premier test, c'est le test scoring. Donc, c'est tout. On a mis. Donc la première partie, c'est de remplir les informations concernant le demandeur. Donc, on a mis certains critères. On a mis certains critères. Par exemple, l'âge. On a défini que. C'est-à-dire qui peut bénéficier, c'est toute personne âgée entre 20 ans à 65 ans qui justifie d'un revenu stable et régulier. Donc, c'est la première condition. Donc on va renseigner. Par exemple, si on peut faire une simulation directe pour quelqu'un. Voilà, je conseille quelqu'un qui a demandé. Hein? Monsieur. C'est pas la peine de remplir. Voilà. Alors, donc ça c'est like, donc c'est pour le bien. Non, c'est juste le miel. Mais ça, au niveau du prix, ça va être. Donc, le compte client, donc, ça va être un compte. C'est exclusé. Ah, pas de souci. Donc, le compte client, c'est par exemple 08. Donc, le nom, pour en laisser 0. Non, pas. Bon, pas de majuscule pour la peine. Voilà, pas mal. La télé, c'est
désolé, j'ai quelques soucis avec le... Je suis pas habitué. Voilà. Numéro de téléphone privé. Email, là. On peut passer. Donc ça, c'est la première étape. C'est-à-dire de se renseigner sur les coordonnées. Après, on passe au critère. Donc on a certains critères. Donc c'est l'âge. L'âge. Il faut choisir la catégorie. Il y a un nombre de points. Il y a un nombre de points qui va être noté. D'accord. Donc ça, on a terminé. Voilà. Donc après, le deuxième critère, c'est la situation familiale. Célibataire. Voilà. Il y a un nombre de points qui sont automatiquement... Du coup, j'imagine si je mets aucun, j'ai un bon nombre de... D'accord. J'ai un bon score. Ok, aucun. Voilà. Habitation. Voilà. Donc, après, on passe à la situation professionnelle, le secteur d'activité. D'accord. Privé. 3. Voilà. Donc on a des fourchettes. Je vais mettre le salaire moyen pour un Algérien. D'accord. C'est 25 contrats. Donc on aura un total de 65. Nous on a le nombre qu'il faut qu'il ait 60% d'accord. Pour qu'il ait mis au deuxième. Okay. Une fois qu'on a terminé, d'accord, on enregistre évidemment. Non, on prend en considération les informations. On passe directement pour le simulateur. Le simulateur, c'est à base du produit que le client a sélectionné, on passe directement à remplir certaines informations qui sont très simples. D'accord. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le téléviseur 32 pouces, voilà. 34,8. Donc, par exemple, si vous choisissez, par exemple, un bon de pouces, je sais pas, actuellement, il y a un produit actuellement qu'on vient de lancer, c'est le 49 Ultra HD. C'est un très bon produit, la série Ultra HD. Donc, on peut prendre un produit simple. Donc 32. Donc le prix c'est à 34,800 dinars au prix. Donc il y aura un apport du client c'est à 1400 au moment de l'enlèvement du produit. D'accord. Après on a le client, c'est-à-dire on va discuter avec le client, c'est-à-dire son choix, c'est-à-dire la durée de mensualité. Est-ce qu'il cherche, c'est-à-dire est-ce qu'il va vendre aussi le produit. 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est au choix du client. L'essentiel, la durée, ça va être en tant que 3 mois, 2 mois. Ça ne va pas dépasser les 2 mois. D'accord. On prend 2 mois, c'est le maximum. 2 mois. Donc, ça serait mensualité de 2600 dinars. Donc, acheter un téléviseur, une mensualité de 2600 dinars. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Avec un salaire, on a pris un salaire. Bon, on peut voir le salaire. Je ne sais pas si on prend 35 000, 30 000 dinars. Même si on parle en termes de mensualité, donc c'est 7%, ce qui n'est pas par rapport au salaire du client, donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc c'est une fois qu'on a déterminé le choix, c'est-à-dire qu'il est admis, ce qu'il doit avoir, il ne doit pas dépasser les 30% et on ne doit pas dépasser 30% la dette par rapport au produit. Donc on va lui remettre un certain document. Donc, une fois on a terminé, on a certains documents. Donc, c'est une demande d'achat. C'est simple, il va remplir certaines informations. Une demande d'achat, il y a les coordonnées, etc. Donc, c'est beaucoup. Voilà, donc une demande d'achat, c'est pour la déposer. Une fois qu'il a rempli la demande d'achat, on a le dossier à fournir qui est très léger. Donc, la liste de documents qu'on va remettre pour le client, c'est une demande d'achat signée qu'elle a déposée déjà, une photo d'identité, copie de la pièce d'identité, certificat de résidence, attestation de travail, la loi dernière fiche de paie, salarié, un CV pour les commerçants, bien pour les gens qui ont fonction libérale. Donc, on a autorisation de virement permanent pour les gens qui ont un compte bancaire. Et autorisation de virement CCP pour les gens qui ont un compte CCP. Donc on a l'historique de relevé de compte. Bon, parfois on le demande, on a le bien en ordre qui va être signé. Donc une fois le client il nous ramène le dossier,
On a généralement entre 24 heures et 48 heures, c'est pour donner l'aval. Il se présente au client, il prend son produit. Après, ça sera du l'habituel. En cas, qu'on fait du... Voilà, donc, justement, donc, c'est une globalité, c'est les étapes que c'est un, bah, les clients qui sont censés suivre. Voilà, donc, on est à votre disposition pour des questions. Chez la Bitxit, on a mis à la disposition du consommateur une formule d'achat, et TCR. TCR. Qui en suivant certaines formalités d'achat, qui sont simples pour le consommateur. Le but c'est de mettre au consommateur la possibilité d'acheter un produit stream avec un prix compétitif. En l'occurrence avec la crise actuelle, la crise économique actuelle et l'augmentation et l'inflation et l'augmentation des prix. On prend un exemple, un 32 pouces qui coûte 2900 dinars par mois, donc c'est quelque chose d'intéressant pour le consommateur. Had l'am inchallah donna fil. Dans notre stratégie de faire l'expansion du réseau, c'est-à-dire de faire l'extension du réseau Stream System à travers les stores Stream System, dans le but d'être plus proche du consommateur, et de proposer la gamme Stream System TV, smartphone aux consommateurs algériens avec des prix compétitifs. Après la conférence de presse, c'est pour lancer la formule d'achat Bitxit. On a reçu un feedback positif, surtout beaucoup plus la part des consommateurs qui ont un revenu entre 25 000 à 40 000 dinars. Ce sera une bonne occasion d'équiper leur maison, leur foyer d'un produit Stream System avec un prix compétitif. C'est-à-dire un client, il va acheter un produit sur place et il va l'acheter par facilité avec le même prix, un achat comptant. Par rapport aux prix actuellement disponibles sur le marché. Nous avons procédé aujourd'hui à l'inauguration du nouveau Stream System Store de Beaumar Compagnie sous la marque commerciale Stream System, situé au cœur de la capitale à El Biar. Ce nouvel espace de vente Stream System Store proposera un large éventail de produits à notre chère clientèle, des produits de qualité qui répondent aux normes internationales. Stream System Store abritera également toutes les nouveautés de Stream System, y compris la nouvelle offre exclusive du financement Taysir, disponible désormais dans les boutiques Stream System. Ces actions entreprises par Beaumar Compagnie sous la marque commerciale Stream System s'inscrivent dans la volonté de cette dernière à renforcer les liens et la proximité avec sa clientèle.